Noël. Cette si belle fête à l'ambiance féerique, réunissant petits et grands autour d'un bon repas. Une fête dont l'esprit se résume au partage désintéressé et à l'amour. Une fête familiale et chaleureuse dont les cadeaux fraîchement emballés font briller de mille feux les yeux des petits bambins. Noël, une fête qui... Franchement, Noël, c'est une fête qui... C'est une ode à la consommation. Aujourd'hui, nos ours sont absolument lamentables. Ce matin, ici. I tell them all I want for Christmas is two gold front tees and 10 karat diamonds on a fat gold reef that I can wear around my... On arrive en traîneau au pire, non? Y'a pas de traîneau, ok. Moi je veux un traîneau vite teinté, avec des gros cylindres. Ganguinou. Ouais. Fais spawn, s'il te plaît, Papa Noël au milieu de ça, là. Bah écoute, des Pères Noël, y'en a pas deux, frère, je suis désolé, là y'en a un, il est à moitié bourré sous le sapin, mais bon... Ce serait contre la magie de Noël, je suis désolé. C'est Francis, ça, c'est l'oncle Francis, t'inquiète. Ah, ok, d'accord. Ça me rappelle que même moi, quand j'étais petit, genre mon oncle s'était déguisé en Père Noël et je croyais trop que c'était lui, j'étais à fond. Non, les gars, c'est pas Francis, c'est le Père Noël qui a voulu nous donner des cadeaux et moi, j'ai rien trouvé de mieux que de lui niquer sa grand-mère la pute. C'est Francis, Blackbird, dis-moi que c'est Francis, que c'est pas le vrai Père Noël. Je reconnais sa bite, c'est Francis. Il me l'avait montré le Noël dernier. On va vous montrer ce qu'il sait faire, notre Père Noël. Mets-le ici, au pire. Il a plus de poids que l'autre. Attends, oui, il a quelques kilos en trop, je m'en charge. Il a 13. Allez, viens ici, gros sac. Ah, putain, tu pèses ton poids, vieux. Ok, bon, Père Noël, prends vie. Allez, je lui fais du bouche à bouche. Allez, gros sac. Oh. Allez. Papa Noël, prends vie, je t'en supplie. Travaille-toi. Les gars, un truc, deux secondes, je sais quoi faire. Regardez là-bas, regardez derrière. On ne triche pas. Ouais, vas-y. Attends, c'est chaud, c'est une blague technique en fait. Attends, il est foiré là. Non, mieux Blackbird, mieux, tu peux faire mieux. Oh, on y est presque. On y est presque, ouais, c'est bon, vous pouvez regarder. Ah, il dab. Oh. Yo, un, yeah, pour tous mes straps de Noël. Yo, je kick, yo. Vas-y, Père Noël, on t'écoute, lâche un petit freestyle. Mon père est trop hardcore, je représente le pôle Nord. Je mets des vœux, aucune minute, et mes reines de Ken. Yo, mais me traite pas de pédo, sinon pas de cadeau. Je me déterre, je te fume et je t'enterre, sous le grand sapin vert. Ça y est, t'as fini? T'as fermé ta gueule? Bordel! On s'entend plus parler ici! Regarde, il fait une prise de kung fu là! Il fait une danse folklorique! Il fait une danse folklorique! Yarare hihou! Yarare hihou! Yarare! Yarare! Yarare hihou! Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il a un nez rouge et des joues bien rouges. Ça sent le whisky le soir de Noël, ça! Hein. C'est un pochard le machin! Ah, Wassim, t'as changé ta couleur de soutien. De soutien couille, hein. C'est son nouveau, il l'a eu à Noël. Les gars, c'est bien cool de s'amuser ici, mais il fait un peu froid quand même. Ça vous dit d'aller dans l'intérieur là? Ouais, grave, mais avant, j'aimerais bien aller visiter le truc qui est là-bas, ça m'intrigue. Salut! Ouais, c'est quoi? C'est un magasin de pastèques? Non, c'est un magasin de pneus. Les gars, il y a un pneu! alors, j'ai dit entre une pastèque, un vieux bourbon ou un pneu. Vous me conseillez quoi? Tiens, bourbon dans ta gueule. Bah, y'a plus de bourbon pour le coup, donc ça va être une pastèque, tiens. Rendez-vous ouais. Dans l'igloo, les gars, on va faire une chicha partie. Ouais. Carrément, j'ai toujours rêvé d'avoir un igloo en vrai. Je me demande pourquoi, à chaque fois qu'on se retrouve dans des endroits restreints comme ça, ça part tout le temps en chicha partie. Ouais, Wassim, bouge ton cul, allez. C'est bon, je passe. C'est bon, les gars, tout le monde a sa chicha? C'est pas une chicha que t'as, Fred, c'est un bang. Grave, il a un god dans les mains. C'est là. Une matraque. Ouais, lourd. Oh là là, l'aquarium. Bon les gars, je commence à stresser, où est-ce qu'il est le lance-roquette? Non. Attends, je crois que je l'ai trouvé les mecs. Putain, la détente est si douce, ouais. On dirait du velours. Oh putain, mais vous avez enfumé l'igloo, c'est abusé quoi. Comment t'as senti ton aiglo, Brosters? Bah je me sens totalement mort. Ah bah merde. Tu sors pas. Pourquoi? J'ai aimé quoi? Ouh. Ok. Y'a des cadeaux. Allez, on s'abrite, il fait froid dehors. Hey Ganguinou, nous on est bien élevés, on est sur nos pieds. Ouais, grave. Toi, t'es un peu trop RP, toi. RP max, RP 3000%. Là. Le mec, il veut que j'essuie mes pieds, et puis quoi encore, bordel de merde. Donc, les gars, attendez, je vais vous expliquer la répartition des cadeaux. Alors, ça, c'est les vôtres, vous voulez répartir ici, ça, c'est les miens, merci. Non, je suis pas d'accord. Boosters, j'ai ton cadeau. Oh, tu veux one shot avec des un lance-roquette? Je connais cette arme, je la connais. Merde, c'était Wassim. Il a tué Wassim à la place. Oh, je suis le Père Noël Coco.
Ah ouais, en fait le mec a une échelle carrément quoi, c'est... c'est vraiment la maison rêvée pour un Père Noël flemmard, hein. C'est genre, l'an prochain il se cassera plus les couilles, il mettra un ascenseur carrément. Oh 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 oh. Donc, ta gueule, laptop. Ça se fait pas ce que t'as fait, mec, franchement t'es qu'un gros bâtard. La tienne. Oh lolo, l'enculé, il m'a devancé. Bah quoi, je vous offre des cadeaux, merde, arrêtez de me critiquer pour ça quoi. Tu vas voir toi, putain de merde, je vais te mettre un gros coup de magnum comme à San Francisco. Aïe, tu vas voir. Alors comme ça je t'offre des cadeaux et ça te plaît pas, tu te venges sur moi, tu me tires dessus au magnum 47. Ok, j'arrive. Ferme ta gueule, je vais poser une clé mort à la porte. Ouais, mais qui te dit que je vais rentrer par la porte? Oh my god, c'est le Papa Noël, il va venir par la cheminée. Qui te dit que je vais venir par la cheminée? Il va venir par la fenêtre, c'est un cambrioleur. Ah, oh non, c'était la cheminée en fait. Ah, enculé. Oh merde. C'est la fête à la pastèque par... Mais non, mais putain. J'allais dire c'est la fête à la pastèque par ici. Ah mais, du coup, y a quoi à manger là pour ce putain de réveillon là? Y'a que des pastèques? Y'a un requin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, grave, y'a un bon requin. Eh hey, requin, tu te mets sur la table, couché, allez, sur la table, vite. Ok, je fais ça, d'accord. Donc il nous sort le couteau papillon là, allez. Ok, c'est quoi un couteau papillon? C'est un papillon qui a une lame sur le nez. Ah, attends, je vois, ouais. Les gars, on mange du requin au repas. Avant de découper le requin de Noël, il faut bien sûr le badigeonner d'une bonne sauce. Oh, une sauce verte, là, c'est dégueu. Tu l'as tué avec ta sauce? Quoi, tu l'as tué? Tu m'as intoxiqué. Putain, mais attends, il est pas encore prêt, là. Je l'ai même pas encore découpé, merde. C'est mort, il va pourrir. Ah, putain, on a niqué le repas. C'est quoi ces trucs de blédard qui dit? C'est mort, il va pourrir, c'est mort. Stranger Things. Ouais, que même dans la série, ils arrivent, ils font genre ils disent les lettres, mais c'est vu que c'était en VF, genre ils faisaient ils allaient sur B, ils disaient V, Z. Je sais, moi je les ai pris pour des teubés un peu. Oh, regardez là. C'est quoi? Oh, regardez, putain, c'est quoi ça? Ouais, putain, toujours vous détruisez creepy. Tout les gars. Pourquoi tu détruis avec ta tête? Laissez-le, de Laissez-le les gars, je me fais avocat du diable. Et moi je dis qu'il a eu parfaitement raison d'agir comme ça, c'est creepy, il faut pas ça à Noël. L'esprit de Noël. Les gars, regardez par la fenêtre. Venez, rejoignez-moi, il y a un spectacle de danse du Père Noël. Oh. C'est vrai que je m'attendais à une connerie encore venant de Fred, mais en fait non. À droite, à gauche, Père Noël dance, ouais. Un super réveillon les mecs, je regrette pas d'être venu. Bah moi aussi carrément, on a un spectacle privé du Père Noël avec Sirène. Coco, vas-y, prends-le en photo souvenir. Et clic. Tu me l'enverras sur par mail et je t'enverrai quelques petits chouchous sur PayPal. Thanks. Giving. Eh les gars, venez voir ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une échelle. Oui, ça mène au toit. Ouais. Non, sérieux. Oh, sans déconner. Je croyais que ça menait au pôle Nord. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, ça mène à la cheminée du truc. Quoi. Vous connaissez des putes de Noël? Bah oui, j'en connais deux, elles sont devant moi. Genre, c'est des putes de Noël et le bonhomme de neige au milieu, c'est le Mac. Ouais, grave. Venez, on saute sur la cabane qui est dans l'arbre ici. C'est parti. Wouh. Allez, après vous, je vous regarde. Merde, elle m'a cassé. Comment je suis tombé comme du n'importe quoi. Ton cadavre en dessous, merde. Oh, mais quelle magnifique cabane avec qu'une seule toilette. Putain, genre ils ont un système de plomberie carrément dans le cabane. Grave, dans une cabane dans les bois. Eh les gars, un peu de respect, écoutez-le, vas-y. Je me suis toujours demandé comment les requins ils faisaient caca et aujourd'hui j'en ai la réponse. Ok, carrément, personne m'a écouté carrément. tiens, un cadeau pour le consoler. Et vous voyez, ici, c'est la maman de Bla... Non, excusez-moi, non, j'ai rien dit. Bah, si, c'est une chatte. Il y a que du sens, maintenant. Voilà, merci Wassim, encore une fois. Bah, lâchez les règles. Oh, putain, c'est trop stylé. Le gars, il est émerveillé devant tout, il prend tout en photo. Regardez derrière. J'ai trouvé un passage secret, ça intéresse quelqu'un. Oh, je vais y aller. On est donc rentré dans le passage secret qui existe dans la maison de Noël. Ouais. Ouais. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Tout ce que je sais, c'est que là-bas, on a un sapin de Noël magnifique en plein dans la grande pièce. Ok, carrément, la pièce, en fait, c'est une réserve de pastèques. Oui, grave. Sérieux ? On va pouvoir se nourrir au réveillon, du coup, on a plein de pastèques, génial. Plus maintenant à cause d'un requin, bâtard. Bonjour les amis, on va jouer à un jeu. Vous allez jouer à Survive Grenade. Vas-y, go, c'est trop bien carrément. Oh, non, 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 non. Oh, attends. Esquivez les grenades, les gars, esquivez les grenades. Non. Bon les gars, il y a qu'un seul perdant, c'est juste Coco parce que j'ai plus de grenades. Ah merde.
Ah. Et regardez les gars, ils ont des vélos. Il y en a un ici, il est à moi. Non, okay. Non, c'est des miens. Ah, mais bordel. Écoute-moi bien le requin. Ouais. Déjà, tu vas apprendre à mettre tes pattes sur le guidon. Parce que là, tu touches pas le guidon. Ok. T'as un problème toi ou quoi là? Ouais, je me casse carrément. Eh, oh. Merci. Oh, bien. Il t'a pété à ton vélo. Il t'a pété à ton vélo. Non, 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 dégage. Ah, il est super ce cadeau de Noël, j'adore. C'est bon, je suis placé moi. Attends, j'ai grave du mal. Attends. Donc il galère. Il prend la chasse. Ah, ça, c'est trop de ouf. C'est bon, j'ai mon vélo les gars. Blackbird il est en fauteuil roulant. Eh, vous voulez pas qu'Wassim il lance son string en l'air pour lancer la course comme dans Fast and Furious? On va te faire enculer. Bienvenue à tous dans cette méga course dans la neige en bicyclette. Dans 3, 2, 1, 0, c'est parti. Allez, allez, go, go, go. Je vous rappelle les gars que c'est le premier arrivé à la cabane, le premier arrivé à la cabane, tournez, tournez. Allô, la cabane, Wassim. Ah, la cabane, dégage, Wassim, dégage. Je suis premier, je suis premier. Putain, bande de bâtards. Je suis coincé. On est coincé. Oh putain. Oh merde. Je vais réussir, je vais réussir. Fred, sale bâtard. T'es gueule, c'est le mien. Mais c'est quoi? Non, dégage, lâche-moi. Eh les gars, s'il vous plaît, venons, on refait les gars, s'il vous plaît. Voici mon string, il va faire des stunts. T'aimes bien faire des cabrioles, hein, mon chalot. Oh, t'es où? T'es où, mon salaud? Laisse mon Wassim tranquille, merde. Les handicapés aux chiottes. Il était vraiment très long. Où est-il parti? Où est-il parti? Je l'ai envoyé à la cabane, putain. Eh, Coco, qui va à la chasse, perd son tricycle. Bon, bah les couilles. Même à mon âge, je suis encore sur les roues motrices, ma gueule. Est-ce que tout le monde est placé? Ouais. Ouais, connard. 3, 2, 1, go! Vas-y, c'est okay, parti! Bon, go, go, Guillaume Tricheur! Il est plus rapide! Yes. Tricheur. Est plus salut rapide. Les mecs! Salut les losers! Oh, allez, le virage! Merde, je pensais, Oui, j'ai bien pris, Wassim, dégage! Oui, j'ai pris, s'il te plaît, dégage, Wassim! S'il te plaît, dégage, Wassim! Non! Dégagez, ça va être le moins le premier! Mais casse-toi, casse-toi! Casse-toi! Attends! Niquez votre mère, j'y vais à pied! Allez, fous, je vous fais! Oh, le tricheur, putain! Oh, mais bouge! S'il te plaît, s'il te plaît! Allez! Mais non! Mais dégage! Oui, bouge! Oh, je vais te goumer! Je vais pibiche! S'il te plaît! Je te goume! Oh là là! Oh, l'handicapé est revenu! A l'aide, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte! Non, tu rentres pas, on veut pas d'handicapé pour Noël! Il fait froid dehors! On est peut-être des salopards, mais c'est comme ça! Bloquez les portes avec des tables! Vite! Non. Il est rentré! Non. On veut pas de vous, espèce de misérable handicapé, restez dehors! Non, c'est la magie de Noël, les gars! Ah, rien à foutre, on ouvre pas notre porte à des saloperies d'handicapés, non? Oh, merde! Mais barricade mieux que ça, bordel! Quoi, je fais ce que je peux, mais aide-moi aussi! Je peux pas! Mais. Oh. Genre, c'est la panique, alors qu'il représente aucune menace! Ça, c'est la bonne barricade, ça, merde! Merde! Mais non! Oh, y'a une baignoire remplie de billets. On dirait Tony Montana, Scarface. Exactement, et ça, c'est les fruits de mon labeur de toute ma vie, donc tu touches pas. Et c'est ça mon cul, ouais, mon gars, tu l'as trouvé au hasard comme ça, tu t'es allongé dedans, tu t'es dit c'est à moi. Ah, qu'est-ce que je me sens bien dans ma baignoire habillée? Bah ouais, t'es tout habillé et c'est une baignoire habillée, excellent jeu de mots, j'adore. Blackbird, tu le. D'accord. Quoi? Non mais c'est un bon jeu de mots, bordel. Eh, hey, beau gosse. C'est fait, monsieur. Ici, je vous présente donc mon PC gaming. Ça, c'est... vous m'éprendez pas, c'est pas du coca, c'est du sang de jument que j'ai récolté. Normal, genre. Ouais, tiens, me suce un sucre d'orge, vas-y. Oh, merci, c'est très sympa, ça. Regardez-moi, putain. On va aller faire une putain de bataille de boules de neige dehors. Comme ça, c'est un câble. C'est aussi logique que le gars, genre d'un seul coup, il est en plein combat de boxe, il dit « Putain de merde, viens, vas-y, on va regarder Hello Kitty !» Qu'y a-t-il au grenier? Bienvenue dans le grenier de Père Jackie. C'est quoi cette odeur? Oh, il fait pousser du cannabis! Oh, mais ma foi, mais quelle est cette plante? Dis donc, c'est... 9 de I! 9 de I! C'est de la beuh du 9 de I, les gars, je vous l'avais dit! Il y a toutes sortes de substances sur le comptoir. Servez-vous, les gars. Ok, oulala. Oh, what the... J'en ai pas eu, les gars, l'esprit de Noël, merde. Tiens, ah, si, j'en ai eu, j'ai rien dit, je vois tout. Oh, y'a des plantes! Oh, mais ça crie! What the fuck, tu brûles! Est-ce que c'est des hallucinations? C'est une hallucination collective. Niquez vos mères.
Relève-toi, t'as un problème, toi. Oh, en tout cas, c'était bien cool, les gars. On s'est bien amusés. C'était un Noël magnifique. Ouais, ces sapins-là, c'est quand même mieux que les autres. Oh que oui. Wassim, tiens du bacon. Oh, starfallah. Tiens, Wassim, vas-y, mange. Il la graille en plus. Il l'a mangé. Honte sur toi. Honte à lui. Tu vas aller en enfer, mec. Non, j'avoue tout, c'était moi. Merci à tous d'avoir passé ce réveillon avec nous et à très bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Aïd Mabrouk.